Je me réjouis d'être parmi vous ce soir à Bellemare pour l'inauguration de l'hôtel Sunrise Attitude. L'hôtel Sunrise, c'est véritablement le rayon de soleil qui commence à poindre alors que les nuages de l'horizon économique se dissipent. Je voudrais tout d'abord féliciter les promoteurs de ce projet, le groupe Attitude, d'être allés jusqu'au bout de leurs ambitions, malgré le contexte difficile lié à la pandémie. Avec la collaboration de leur principal partenaire pour ce projet, Lavastone Properties, ils ont doté notre pays d'un nouvel édifice hôtelier d'une prestance exceptionnelle. En investissant dans ce bel établissement hôtelier, vous avez réitéré votre volonté de continuer à contribuer au développement économique et social du pays. Surtout, vous avez fait le pari d'une reprise rapide du tourisme. Cet hôtel est le symbole de votre foi, de notre foi, dans le potentiel de notre tourisme. Nous ne pouvons pas minimiser les effets que la pandémie a eu sur le secteur, mais le tourisme mauricien redeviendra prospère, j'en suis convaincu. Nous sommes confiants qu'avec l'engagement et l'implication de nos partenaires du secteur privé, nous allons atteindre les objectifs d'arrivée touristique que nous nous sommes fixés pour l'année financière en cours. En unissant nos forces, nous pouvons, ensemble, mieux affronter l'avenir de cette industrie clé qui recense 111 hôtels, génère plus de 100 000 emplois directs et indirects et contribuer à environ 23% du PIB avant la pandémie. Pour soutenir l'industrie, nous avons notamment mis en œuvre des dispositifs d'aide, dont le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme. Entre mars 2020 et septembre 2021, ce soutien financier au secteur touristique a coûté à l'État plus de 10,5 milliards de roubles. Cette assistance a été étendue jusqu'au mois de décembre pour un montant additionnel de 2,4 milliards de roubles. L'État a également mis en place un programme d'aide financière d'un montant de 15,9 milliards de roupies destinés aux hôteliers et autres opérateurs du secteur touristique à travers la Mauritius Investment Corporation. Nous avons introduit un apport hotel scheme qui permet aux hôtels existants de modifier leur modèle d'entreprise et de transformer des chambres d'hôtel en appartements qui sont vendus auprès des particuliers. De plus, les titulaires de licences de la Tourism Authority et de la Beach Authority sont exemptés des frais de licence pendant une période de 2 ans. Finalement, le programme d'aide à la rénovation et à la reconstruction des hôtels se trouvant sur le terrain de l'État a été revu pour couvrir la totalité des travaux, et ce jusqu'au 30 juin 2022. La collaboration publique-privée a abouti à des actions concertées en termes de stratégie marketing de la destination. Le projet Mauritius Now, né de ce partenariat, est aujourd'hui une partie intégrale de la politique de promotion et de communication qui vise à positionner Maurice comme une destination sûre et attrayante.
Je suis heureux comme ministre du Tourisme parce que depuis 2 semaines, nous avons rouvert nos frontières et nous avons réussi la réouverture. Il n'y a qu'à voir l'engouement sur nos marchés traditionnels en Europe, en Afrique du Sud, la Réunion. Il n'y a qu'à voir cet engouement à venir à Maurice. L'aérien, avec Air Mauritius qui a repris son envol, et toutes ces compagnies aériennes qui nous arrivent jour après jour. Nous ne sommes pas loin de retrouver le niveau d'avant la Covid. Le nombre de passagers, à ce jour, depuis le 1er octobre, nous avons, je pense bien, franchi la barre des 29 000 arrivées en l'espace de 2 semaines. Cela promet pour l'avenir, sachant que au moins 70% de cela, ce sont des touristes qui nous arrivent. Nous avons réussi la réouverture à travers les protocoles sanitaires. Ce matin encore, on faisait le constat que sur ces 29 000 et quelques arrivés, il y avait, je crois, 19 cas Covid positifs. Si cela n'est pas une réussite, qu'est-ce qu'il est ? Donc je suis un ministre du Tourisme heureux ce soir et heureux de l'ouverture de Sunrise Attitude. Ce soir, il n'y a pas de concurrent, il y a des amis hôteliers en toute fraternité qui ont uni leurs efforts avec le gouvernement pour faire de cette réouverture un succès. Je me réjouis de ce partenariat hors norme et souhaite que nous restions pour de longues années encore dans ce même esprit de collaboration, car la bataille de la reconquête des marchés et de rendre le pays plus soutenable commence dès aujourd'hui. À ce jour, la RIM estime à plus de 40%, même 45% je dirais, les taux d'occupation pour le mois d'octobre au niveau des hôtels, au-delà de 50% pour novembre et probablement bien plus haut pour décembre. C'est extrêmement encourageant. Nous sommes donc, mesdames et messieurs, au Sunrise Attitude, le dernier né de notre collection d'hôtels éco-engagés. Un hôtel 4 étoiles réservé aux adultes, situé face à l'une des plus belles plages de l'île. C'est donc à partir d'un hôtel de 61 chambres, rénové, agrandi, repensé, qu'est né Sunrise Attitude, une nouvelle génération d'hôtels Attitude. Au total maintenant, 145 chambres et 8 villas avec piscine privative.